Bienvenue à cette deuxième session de cette journée. On a vu hier c'est quoi et le pourquoi aussi du marketing territorial. On a vu dans un deuxième temps les facteurs clés de succès du marketing territorial. On a vu des cas pratiques aussi. Aujourd'hui, on a vu la résilience et ce qu'on pourrait apporter en tant que pays émergent en termes de marketing territorial. On a clôturé cette matinée avec l'étude identitaire et la personnalité du territoire. Maintenant, une fois on a mis en place ce que serait, entre parenthèses, un marketing territorial adapté à nos territoires africains grâce aux propositions qu'on a eues hier dans le think tank, on va voir comment on pourrait redynamiser une marque territoriale. Alors le R, entre parenthèses, justement, c'est cette capacité de faire revivre un territoire, de faire revivre une marque territoriale, de la faire vivre déjà, en la dynamisant, et puis comment la faire justement vivre et perdurer dans le temps. Donc, s'il vous plaît, je vais vous demander d'accueillir comme il se doit le modérateur de cette table ronde, de cet atelier, Damien Duport. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu sa présentation hier, Damien Duport est directeur de l'agence ULA Hope Genève, consultant en attractivité territoriale après plusieurs années passées en agence de communication entre Paris et Lyon. Damien Duport a travaillé à la direction marketing de destinations touristiques dans les Alpes françaises, notamment pour la Clusaz ou pour la marque territoriale Annecy. Il accompagne les entreprises des territoires français et internationaux dans leur transformation. Il a rejoint depuis cette année l'agence ULA Hope, spécialiste, entre autres, des problématiques de promotion de territoire et accompagne des clients comme l'Office de tourisme de Paris, en Lilian, Annecy, Grenoble, La Franche, etc. Donc, vous avez une expérience très riche. Merci d'être là, Damien, et merci d'accepter de modérer cette table ronde sous la thématique « Redynamiser une marque territoriale ». À toi la parole. Merci beaucoup, Yasmine. Merci de me laisser la parole. Je suis très, très heureux d'animer cet atelier qui me tient particulièrement à cœur, parce que moi aussi, j'ai beaucoup de questions à poser à nos intervenants qui vont nous accompagner pendant une heure et demie. Redynamiser une marque territoriale, de quoi est-ce qu'on va parler pendant cette heure et demie? Pour ceux qui ont travaillé sur la création et la stratégie d'une marque territoriale, d'une stratégie territoriale, vous savez qu'il y a la première phase où tout ce qu'on a parlé pendant deux jours, tout ce dont on a parlé pendant deux jours, à savoir trouver les marqueurs identitaires, travailler avec, à fédérer, à créer une gouvernance, à trouver aussi des budgets, chose dont on évoque peu de fois l'évocation, mais qui est quand même important pour créer une marque territoriale. Une fois qu'on a créé ces belles stratégies, une fois que tout est bien aligné sur les papiers, vient le moment fatidique où on va lancer cette stratégie, on va la mettre déjà en validation auprès des gouvernants, auprès de la gouvernance, et après on va la mettre aussi à disposition des ambassadeurs désignés, des populations locales. Population locale, je vous rappelle, qui sont le territoire qui est la population. Et on va passer l'épreuve du feu, on va savoir déjà, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fédère les habitants? Une marque territoriale qui ne fédère pas les habitants, on sait qu'elle a peu de chances de perdurer. Donc c'est pour ça que, dans un premier temps, on va recevoir les témoignages de deux personnes qui sont en ligne et qui ont créé ces stratégies territoriales, qui les ont déployées sur leur territoire avec succès. On les aura donc en visioconférence. Nous aurons donc Jen Brady qui est responsable du collectif Devon Donut et qui nous expliquera un petit peu son projet. Et nous aurons après, je suis désolé, je vais essayer de ne pas écorcher son prénom, son nom qui est un peu compliqué, Chamiso Nomsa Lachewayo, qui travaille sur la marque South Africa Brand et qui témoignera après. Je vais aussi après parler du second souffle, celle des marques déployées, une fois que la stratégie a été faite, qu'on a fait le lancement et que la marque a efficacement été mise en place. Le second souffle, à savoir comment on fait pour faire perdurer une marque, comment on fait pour la faire vivre à long terme, comment on fait pour pérenniser ses effets sur le territoire. Et c'est là où on va avoir le témoignage des deux personnes que je vais accueillir maintenant sur le plateau. On va commencer par les femmes, bien entendu. Majda Khatib, qui est avec nous. Je vous donnerai l'applaudir, s'il vous plaît, bien fort.
Elle n'est pas rompue à ce genre d'exercice, mais elle va s'en sortir brillamment, il n'y a pas de problème. Et par contre, quelqu'un qui a plus l'habitude des plateaux, monsieur Marc Marinauer, créateur de plusieurs marques territoriales en France avec succès, et qui viendra aussi nous amener son éclairage sur cette question dynamique. Pour l'instant, nous allons parler avec Jen Brady, qui a développé sur le Devon, donc un territoire anglais, la théorie du donut. Donc pour ceux qui ne pourraient pas savoir ce que c'est, la théorie du donut, qui a été développée par Kate Rivers, me semble-t-il, en 2016, et qui en fait essaye d'amalgamer dans un logo, dans un espèce de graphique en forme justement de donut, comment est-ce qu'on peut mélanger croissance économique, développement durable, et puis tout en gardant un plafond social pour justement respecter les besoins humains, quelque chose d'assez important, et qu'elle a réussi à mettre en place à Devon. Jen Brady, est-ce que vous nous entendez? Hi everyone, can you hear me? Yes. Good. Alors je vais parler en français parce qu'il paraît que vous comprenez très bien le français. I'm going to be speaking in English, so. Vous pouvez répondre en anglais et je vous parlerai en français. Ok. Donc vous êtes responsable, directrice du centre d'apprentissage biorégional et responsable du collectif Devon Donut. Un succès, j'ai l'impression, ce projet. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Is it okay with you if I share my screen and give a little presentation? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut envoyer la présentation? Okay, I'm going to share my screen now. Et ben voilà, c'est parfait, je vous laisse la parole. Okay. So I have I think I have about 15 minutes, is that right, to tell our story? Yeah. Okay. So I've reworded the brief a little bit to say, can a region revitalize itself as opposed to having the revitalization done to it? A couple of introductory images. So this is where we are on the right, that's the River Dart, and on the left is one of Morocco's I think the longest river in Morocco, I think. So the word territory comes from terra, meaning land, and that is, generally speaking, our starting point. We believe that people have the capacity to revitalize a place. It's not fundamentally about selling a USP, for example, competitive strategy, target audience, or grabbing attention. In confronting climate change and biodiversity loss, we can work together to co-create new pathways for action by honoring what's already there in a place and trusting that citizens each have the unique knowledge that's needed to solve real-world problems. Some aspects of brand building are useful, like a big idea, design process, creativity, welcoming input, the focused attention of a team, building narratives and storytelling. As long as those are applied to a well thought out learning culture. And why is that? The goal is to enhance connection, engagement and learning exponentially to co-create pathways for action aimed at changing existing situations into preferred ones. So we at the Bioregional Learning Centre here in South Devon, in the southwest of the UK, we think of our region, where we live, as a learning region. So donut economics is a big idea, and we don't have a lot of time, unfortunately, to fully explain it. But what we're doing is we are contextualizing our version of the original donut economics model. So what the model does
is it puts together the ecological ceiling in the same picture as the social foundation. And you can see in the diagram here that there are a number of domains around the donut, things like food, water, political voice, etc. So what we're doing is we are taking that model and contextualizing it for this region. And in doing so, it's a tool, but in doing so, we believe that that is helping to revitalize the region. So we started where we live. We asked some questions. How healthy is Devon? How can we measure that? How can we show improvement where we want to head economically and ecologically? So what you can see here is an example of some soil. That soil has been regenerated over just the period of about 3 years from a dry ball of hardly soil at all, but a hard ball of dirt into soil that can bring life. So that's one example of how we see the land here in Devon changing. So we've asked, what are the most useful indicators of a region's health? And these are three examples. So we ask, for example, relative to the fishing industry, we have some coastal areas as well as inland areas. So we think that a good indicator for coast and marine health, for example, would be the number of fishing vessels out of Devon's harbours, bottom trawling days per year. So that's a very practical measure of what's happening here. Similarly, for health and well-being, the prevalence of access to open-ended, low-cost mental health support. And for education, frequency of moments when young people in Devon experience guided interaction with nature. So these are just three examples of the kinds of indicators for health that we are generating. And we're a collective of about 150 people now, and we've been running this process for a year, just over a year. So at this point, we have the Devon Donut itself, the process itself, is generating about 44 citizen and policy makers projects across 22 domains. So the process in of itself is actually regenerative. Another use for the donut is as an invitation for people to use the donut as a lens for evaluating their projects. So for example, the local authority here, Devon County Council, have a project underway that is all about EV charging points. And when we look at that project with the lens of the donut, it brings a few things into question. So you can see here, we've got a traffic light system of red, amber, and green. If we look at that project through the lens of the donut, so if we look at it, say, from the point of view of equality or equity or political voice, health and well-being, you can see that the project of EV charging points would score quite well in terms of air pollution. But how would it score in terms of equity and equality? Probably not so well, because most people can't afford to have an electric car, let alone plug it into an EV charging point. So we would say that a better course of action might be to look at public transportation, like electric buses or electric cars, electric boats or electric buses, which provide transportation for more people. So this is the donut that we have created, co-created collectively. So by making a people's donut for Devon, the concept of donut economics becomes more relevant and useful to the people living here. This work isn't without its challenges. So we are a community interest company and have largely volunteered our time with some limited funding. Siloed thinking
and working siloed thinking and working is commonplace. And that's something that we have to counter with an altogether process. And thinking regeneratively often means giving away and not holding tightly onto something, which is quite a different way of thinking compared to the typical model of branding. So we are a methodology neutral action learning lab, favoring activity and progress and employing a good enough attitude. Thank you very much. Merci beaucoup, Jen. Je voudrais déjà vous remercier pour la présentation. C'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur aujourd'hui, de pouvoir concilier développement durable, développement économique et aussi mettre en valeur les gens du territoire. Je voulais vous poser une question, moi, de savoir, à votre avis, si c'était compliqué. Vous avez besoin de beaucoup de données pour votre projet. Vous avez besoin de fédérer beaucoup de personnes pour que ça soit un projet efficient et qu'il soit efficace. Comment vous faites pour garder cette good enough attitude? Comment vous faites pour la faire perdurer dans le temps? I think I caught the gist of your question there. So I guess the project started, it came out of a conference called Regenerate Devon, which was an invitation to everybody in Devon to come together and talk about all kinds of issues that affect people here. And of the sessions, the most important one, or the one that generated most interest, was the session on donut economics. And so we at the Bioregional Learning Center decided to just go with that and begin a process. And we weren't sure when we started what the process would look like. So we had a sense of where we wanted to go with it and its potential, but we didn't plan it out, completely. So we took it 2 weeks by 2 weeks, and the process unfolded, and we invited all kinds of stakeholders, counselors, business people, students, individuals, completely open door for anybody to participate. And so now we have, like I said, maybe over 150 invested people from a wide range of sectors who are contributing to the process. And I think that kind of consistency, having somebody, having the Bioregional Learning Center take a leadership position, but for it to be a co-designed process, I think that's how we've kept the momentum going, and we've generated quite a bit of interest from yourselves and from the folks in Marseille and also here in our own bioregion. Ok, très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à poser dans la salle par rapport à ce projet pendant qu'on a Jane maintenant avec nous en ligne? Non. Bon, très bien. Eh bien, on va remercier Jen pour son témoignage et je vous invite à suivre ce projet sur le long terme qui est vraiment très intéressant et qui mériterait, à mon sens, d'être multiplié sur de multiples territoires. On va voir ce que ça peut donner dans le temps, au bout d'un an, deux ans. Et on remercie Jen. Merci pour tout. Thanks for all the things. Vous pouvez vous déconnecter. Et nous allons maintenant parler de South Africa Nation Brand, avec notre invité pareil qui est à distance. On espère que la connexion se passera un petit peu mieux qu'avec son collègue hier. Hello, Chamiso, how are you here? Hi, yes, good afternoon to everyone. And thank you once again for having Brand South Africa as a panelist this afternoon. D'accord. Merci beaucoup. Vous êtes directrice générale de recherche de South Africa Nation Brand et vous allez nous présenter un petit peu votre projet. C'est à vous. Ok, let's go. You can present your work. Yes, retailing. The presentation for this afternoon is going to cover a few aspects
related to our work with managing the nation brand. And just in line with the topic, South Africa, like a lot of the countries around the world, has been navigating a series of challenges. And we at Brand South Africa have been using our platform to be able to retell the South African story. Just in terms of background of what it is, our understanding of nation branding and how we specifically use it for the purpose of investment promotion. So Simon Anholt defines the concept of nation branding as the systematic process of aligning the actions, behaviors, investments, innovations, and communications of a country around a clear strategy for achieving a strengthened competitive identity. And economic, our understanding again of nation branding in the context of economic development, it suggests not only more output, but also different kinds of output, more productive use of resources, and greater innovation. And furthermore, it focuses largely on helping a place enhance its competitiveness. The image of the country in the minds of global citizens can play a critical part in the success of its tourism, trade, business, and nevertheless, its cultural and diplomatic relations with other countries. The model states that the reputation of countries functions like the brand of images of companies, and that they are equally critical to the progress and prosperity of those countries. Effective investment promotion requires, first and foremost, positive image building activities which are aimed at convincing the investor community that there exists in a given country a comparatively liberal and attractive environment for business operations. Having a favorable image in the eyes of foreign investors is a primary quality that most governments seek to attract foreign direct investment. Wild and Wint define investment promotion as activities that disseminate information about or attempt to create an image of the investment site and provide investment services for prospective investors. They stated three different objectives of investment promotion techniques, the first of which is what is a technique that Brand South Africa uses, which is to improve a country's image within the investment community as a favorable location for investment through image building activities. The second is to generate investment directly through investment generating activities. And this is, we work with our stakeholders in located within the Department of Trade and Industry, and as well as our investment promotion agency, which is Invest SA. And as well as to provide services to prospective and current investments investors through investment service activities. How are we able to do this? We understand our role. What we primarily aim to do is to combine our reporting on hard power, smart power, soft power, plus our understanding of the nation brand Hexagon to be able to, you know, to tell and curate a narrative that is able to market the country and make it top of mind in terms of international audiences. How do we use image and reputation to drive investment? Even if a nation does not make a conscious effort to brand itself or manage its reputation, the market will still have images and opinions of that nation formed by external entities such as international media. As a result, the simple association of a nation's name will reflect on product services associated with that nation, greatly influencing investing, buying, and traveling decisions. Image building and investment promotion can be described as the first critical step in the investment promotion process. The image building process seeks to create a positive perception of a country as an investment location, often by rebranding the image of the location globally to build a perception of an ideal business location and turning a country into a trustworthy and resonant brand amongst investors. Mm-hmm. Image building is at the core of investment promotion, especially for nations regarded as small or new to FDI attraction. Nations that have gone through significant political economic reforms or nations that have received negative or limited international media coverage. Where does South Africa presently find itself? The COVID-19 pandemic has had a severe impact
on the global economic outlook and the South African economy and society have not been spared, with the latest figures from our Statistics South Africa indicating that the South Africa's economy shrunk by 7% in 2020. As of June 2021, the world is still facing ongoing challenges, the resurgence of COVID-19 waves, followed by lockdown restrictions, ongoing mutations and new corona variants, uneven distribution and access to vaccines. Global GDP in 2021 is expected at 3.2% lower than pre-pandemic levels. Varying levels of economic recovery between developed and developing countries. And South Africa finds has had one of the most stringent lockdowns in the world because of the COVID-19 pandemic. And domestic as well as international perceptions have definitely been impacted by this. The perception of the country has further been compounded by high levels of unemployment and inequality that resulted in the recent unrest that we saw in the provinces of KZN and Gauteng. These are just some of the negative media perceptions that have been formed about South Africa. And what are we doing, and what are the major media takeaways? Poor governance has facilitated ineffective policing of criminals and handling of the COVID-19 pandemic. The export industry looks promising, with agriculture spearheading the sector and gradually boosting the economy. South Africa investments are being threatened by negative credit, an unstable currency and cryptocurrency scams. Tourism into the country is possible, but not necessarily for investment, as COVID continues to pose a threat to safety, security, business longevity, and the currency. Police brutality, gender-based violence, and violent crimes continue to be one of the major problems and the brand associations that South Africa is currently facing. And what does this mean for South Africa? The current perceptions, economic instability, insecurity, and insecurity, perceived leadership and governance challenges, declining competitiveness and crime and corruption, domestic criticism of government and skepticism over programs and initiatives which filters to international media. What is the impact of negative perception? Lack of trust and confidence in South Africa? And what does that lead to? Diminished competitive advantage, lack of share of voice in a crowded global marketplace for inward investment, trade, domestic investment, exports, tourism, and positive reputation and image. Our colleagues, we work quite closely with Bloom Consulting. We use their risk model to measure the health of our nation brand. And they, according to them, these are the three factors that impact a nation brand over the long term. Is the crisis prolonged? Is the level of intensity high? And what impact does it have on the country's culture? And we use this by COVID-19, as well as the recent unrest that took place in July of this year. And we established that South Africa is still has, you know, the impact of the crisis has had a low impact on the nation brand health because of it wasn't prolonged, it wasn't as intense as unfortunately report came together to try and address all the challenges that he's facing we saw our community protecting businesses from being looted. So that showed, that spoke to the core values that we believe define South Africa, which is resilience, you know, active social cohesion, you know, to ensuring that South Africa is a great country for all. This is just the model that we use. And remind the world that South Africa continues to be a success story. The fact that it's been able to rebuild itself post-apartheid to become a gateway into the rest of the continent, as well as, you know, a model of
of democracy. You know, tap into the emotional and psychological challenges people face on a daily basis just by, you know, reminding them that we are a resilient people and we are a resilient country. You know, creating positive messaging and promoting government initiatives that are aimed at improving the climate and the entrepreneurship ecosystem, access to finance, promote economic recovery efforts, encourage self-employment and support the growth of micro and small enterprises, promote economic inclusivity and empower entrepreneurs through an integrated marketing and communications campaign aimed at repositioning the nation brand. The objectives of this was to reposition South Africa to, as a viable investment destination, to influence country perception and ensure brand visibility and share of voice, to enhance South Africa's nation brand awareness, image and reputation through the promotion of the brand to international audiences, to continue to reinforce South Africa's position as an attractiveness and investment destination, as well as to position South Africa favorably amongst key international thought and opinion leaders, showcasing South Africa's strategic importance in the region and position South Africa as a global player capable of positively influencing the global agenda. And this was the campaign that we started, which is called Believe in South Africa. And this is clearly linked to our recovery strategies, where we want to, you know, conscientize South Africans to rally behind our recovery objectives, as well as, you know, communicate to international audiences that South Africa is still a viable option for investment, for tourism, for talent attraction, and that we are a country committed to rebuilding itself and restoring its brand trustability. And these are some of the campaigns that these are some of the CIs that we use for the campaign to encourage both domestic and international audiences. I think I'm done. Thank you. I went a bit over time there. Thank you. Merci beaucoup, Chamisso, pour cet exposé très complet sur cette marque qui est aussi un pays, qui est un exemple assez formidable de marketing territorial et de déploiement sur le territoire. Je vais demander au public qui est là pour savoir si vous avez des questions à lui poser. Ah, là-bas au fond, j'ai une demoiselle. Est-ce qu'on peut lui apporter un micro, s'il vous plaît? Hello, my name is Esma. I'm a master's student. My question would be, by the criteria that you cited when it came to how you would know that a crisis affected a country and changed its core, you cited that one of them is that it changes the culture of the country. In what way did the coronavirus crisis change South Africa's identity in a way? Because all you talked about was the economical side of it, and I haven't seen much of the cultural or identity related aspects of it. Thank you. Okay. Thank you for that question. Yes, you know, in terms of what we've observed is that COVID-19 has had an impact on the culture of the country, and it has significantly impacted our identity as a country. However, it's a bit early to tell in terms of the full impact COVID-19 has had on changing our South African culture and identity. But what we have observed, where now our country has a common objective, which is to keep each other healthy, to get ourselves vaccinated, and also to rebuild our economy. So those positive identity and culture. Très bien, merci Chamisso. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou pas?
On va devoir passer à la suite du programme. On va remercier, on peut l'applaudir encore chaleureusement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons passer à la suite des débats qui va nous concerner. On va d'abord appeler pour nous rejoindre sur ce plateau le docteur Yasmine Alaoui, consultante pour Casa Evans, s'il vous plaît. Si vous pouvez lui faire un tonnerre d'applaudissements, elle est un petit peu à la base de cet événement aussi. Donc nous sommes tout le temps sur le même sujet, dynamisation, second souffle, comment on fait pour déployer une marque, est-ce que ça fonctionne, comment on fait après pour la faire perdurer dans le temps, la pérenniser. On va avoir un premier début de réponse, je pense, avec Marc, qui va prendre la parole et qui va nous faire partager son expérience à ce sujet. On peut l'applaudir. Bien. Donc la question qui nous est posée, c'est comment relancer une marque. Alors pour relancer une marque, il faut d'abord l'avoir lancée, bien évidemment. Donc cette question du lancement et du relancement est à prendre de manière globale. En fait, en vous écoutant un peu hier, beaucoup ce matin, vous avez parlé de cette question des freins qu'on peut avoir par rapport au marketing territorial. Et je pense au fond que si certaines marques échouent parfois par faute d'engouement, faute de partenaires, faute de ressources dotées, quand je parle de ressources, je pense à l'argent, mais aussi de ressources humaines, il nous faut encore sans doute faire comprendre aux élus, aux entrepreneurs, aux partenaires, aux citoyens, cette démarche. Si on veut réussir une marque, ou si on veut la relancer, il faut qu'elle ait l'intérêt de tous. Or, le mot marketing divise. À plusieurs reprises, vous avez cherché à redéfinir ce concept. En discutant hier soir autour d'un verre, j'ai rencontré Mehdi. Alors, Mehdi, si tu veux bien venir, je vais... Allez, Mehdi, mais viens. Mehdi. Voilà, on l'encourage. Donc, vous êtes invité sur scène. Alors, Mehdi qui a l'énorme avantage de ne rien connaître au marketing territorial, d'être ici un petit peu par hasard, mais d'être quelqu'un qui travaille sur les mots. Je te laisse expliquer tout à la fois qui tu es et la proposition que tu nous fais pour mieux expliquer, mieux faire comprendre à tous le marketing territorial et dès lors rassembler davantage de gens, davantage de moyens pour nos démarches. Merci beaucoup, Marc. D'abord, je veux remercier les grands apôtres de marketing territorial. Et ce terme, je le trouve un peu déshumanisé, ou, comment dire, un peu trop technique. Alors, j'ai proposé à M. Marc et à Mme Soumier Dana qu'il serait plus pertinent de parler de valorisation territoriale. D'abord, c'est quoi l'objectif ultime de ce marketing ? C'est de renforcer l'attractivité de ces régions pour que les gens y adhèrent encore plus et pour attirer d'autres personnes. C'est d'abord la valorisation. C'est le mot-clé, c'est la valorisation. Et à mon avis, cette valorisation commence par l'individu. Alors, au Maroc, on a beaucoup de fractures, surtout la fracture linguistique. Il y a plusieurs couches sociales. Et comment on peut avoir tout le monde, comme un orchestre, tout le monde au diapason, alors qu'ils ne parlent pas la même langue. Alors, ils ne partagent pas les mêmes pensées, les mêmes préoccupations. Ce matin, par exemple, lors de l'intervention de Camille, il a parlé de fédérer les gens ayant des besoins spécifiques, les filles. Alors, nous devons le faire de bas en haut. Alors, il faut fédérer tout le monde, même dans les milieux défavorisés. Parce que l'exclusion, ça crée toujours des tensions. Alors, il faut éviter ça. Au Maroc, malheureusement, on a un problème
Linguistique, ce n'est pas juste d'un point de vue idéologique, mais il faut savoir que la langue, c'est... La langue, c'est, ça donne le corps et l'âme en opposé. Alors, chacun se mesure par sa langue, parce que la langue donne, donne corps à ses pensées. S'il n'a pas une langue, il ne peut pas exprimer ses aspirations, il ne peut pas exprimer ses préoccupations. Et il ne peut pas même communiquer avec les autres. Pour qu'on soit tous au diapason, il faut qu'on partage le même terrain. Sinon, il faut avoir des communications sur mesure, alors plusieurs niveaux de langue. Alors chaque, par exemple, même ça peut commencer même par les enfants à l'école primaire, parce que c'est la base en fait. Alors c'est on peut éduquer, on peut inculquer le civisme dès les débuts, ça va rester toute la vie avec la personne, n'est-ce pas? Et puis, cette fracture linguistique, au Maroc, soit on parle dérigeant, soit on parle français, soit on parle anglais. On connaît bien les couches sociales et même on catégorise les gens selon la langue qu'ils parlent. Pour moi, il faut aller à plusieurs vitesses. Pas, ça peut paraître bizarre, mais il faut avoir cette vision de communication sur mesure. Même pour les arabophones, parce qu'il y a toujours cette tension entre les arabophones et les francophones, trop d'idéologie, mais on oublie l'essentiel. C'est qu'on veut une certaine cohésion sociale. Ce qu'on va dire, il faut trouver une recette de mayonnaise linguistique pour cette salade. Bon. Donc, juste. Merci beaucoup. Un mot encore, parce que en discutant, alors à la fois effectivement, et c'est une vraie question pour la marque de Casa, cette question des langues. Donc dans un pays où effectivement différentes langues sont pratiquées. Et puis juste une précision par rapport à cette définition du marketing territorial. Cette idée de création de valeur, je la trouve intéressante. Et la valorisation, je rajouterais ce mot de collectif en disant que c'est la valorisation collective d'un territoire. Et par là même, derrière l'idée de collectif, il y a l'idée de partager et il y a l'idée de humain. Donc voilà, c'est la valorisation collective d'un territoire. La valorisation collective d'un territoire. Et la valorisation collective des gens. Je trouve que cette idée de valorisation collective a l'avantage, un, d'être en français, et deux, d'éviter ce terme qui évoque forcément la marchandisation du territoire, le marketing. Je trouve que voilà, la valorisation collective d'un territoire, c'est une manière intéressante de définir ce qu'on cherche à faire. Merci beaucoup. Vas-y. Le dernier point. Pourquoi je suis pour cette humanisation de ce concept? Parce que l'humain et l'individu sont au cœur de cette démarche. Si les gens n'adhèrent pas à cette... si les gens n'adhèrent pas à ce concept, et là je parle de la grande population, à quoi sert-il de parler de tout ça? C'est juste une discussion intellectuelle qui reste juste un encre sur papier. Alors, c'est pour ça qu'il faut humaniser ce terme pour que les autres se sentent qu'il y a quelque chose de très important pour y adhérer. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. C'est exactement ça dont on parle, c'est de savoir quels sont les facteurs et comment on fait pour qu'une stratégie, justement, ne soit pas déposée sur un territoire, mais qu'elle soit fédérée et qu'elle puisse être, la population puisse s'en emparer et justement la faire vivre. Et on voit que dans la question qu'on pose aujourd'hui, le second souffle, la pérennisation d'une marque, il faut que les populations adhèrent à ce concept. Et pour ça, il faut trouver les bons biais. Allez, je te laisse finir. En fait, tu vas revenir la prochaine fois, tu viendras prendre la place de marque complètement. D'abord, ça commence par la langue. Alors, c'est une question primordiale. Si on ne peut pas véhiculer ces idées et que les gens comprennent ce concept, ils ne peuvent pas y adhérer. On est d'accord. D'abord, il faut,
comme j'ai dit, il faut avoir une communication sur mesure. C'est la communication d'abord qui est inspirée par ces gens-là. Alors, il faut parler leur langue. Il faut savoir comment ils pensent pour être en mesure de les convaincre. Parfois, je remarque, en tant que traducteur, je remarque qu'il y a une certaine dissonance entre la langue, le registre de langue utilisé pour une certaine population, alors qu'il n'est pas efficace pour eux. Il faut savoir comment ils pensent, comment ils parlent, et ma communication s'inspire de la manière dont ils parlent. C'est tout. Merci. Très bien, je pense qu'on peut l'applaudir très fort. Merci beaucoup, et on va suivre avec Marc. Bien, donc il me reste 36 secondes pour... Il te reste un peu plus, si tu veux. Rapidement, je vais essayer d'être rapide. Bon. Donc là, cette question du lancement ou du relancement amène bien évidemment à réfléchir à la manière de présenter les choses pour les faire comprendre à un public très large. La question ici particulière de la langue s'ajoute encore à la complexité, mais le faire comprendre également aux gens qui vont s'engager dans la démarche, en être partenaires, financeurs, etc. Donc relancer une marque, c'est peut-être aussi refaire le tour de la question, réinterroger de nouveaux partenaires, réexpliquer la démarche. Donc au fond, on se retrouve un petit peu sur la même problématique que celle de lancer une marque. Alors, bon, un chiffre important, c'est 80-90% de marques qui ne durent pas. Donc cette mortalité, à quoi est-elle due ? Sans doute déjà à certaines marques qui sont mal nées, c'est-à-dire nées, décrétées sans un travail préalable d'analyse du territoire, décrétées sans co-construction et implication des parties prenantes, ou des marques qui ont fait une erreur de positionnement et dès lors qui ne fonctionnent pas, etc. Donc on a un certain nombre de marques qui sont condamnées dès le départ à mourir. Et puis ensuite, il y a des marques qui sont, on va dire, mal élevées, c'est-à-dire qui sont mal animées, faute parfois de moyens, faute de bonne compréhension des bonnes cibles, des bons publics à adresser, des bons messages à adresser, des bons moyens à utiliser. Donc, quelque part, effectivement, faire fonctionner une marque, c'est un travail de longue haleine. On construit les marques dans le temps et avec le temps. Ce qu'on peut dire également, c'est que trop souvent, les marques sont sur une communication descendante et exclusivement descendante, alors que la communication, c'est communiquer, c'est d'abord écouter, écouter, dire, faire ensemble. L'une des manières de dynamiser les marques ou de les relancer, c'est effectivement de faire ce travail de communication ascendante, descendante, transversale, etc., de faire circuler tout simplement le sang. Alors, comment le faire sur les moyens ? On a aujourd'hui beaucoup développé les moyens digitaux, et on pense que parce qu'on a mis un community manager, tout va se faire, c'est formidable. Moi, j'insiste vraiment sur la nécessité de conserver toute une dimension physique. Qu'est-ce qui marche ? Je pense à Lyon, le fait, pendant des années, le fait que tous les mois, il y ait un soir, un apéritif où les Lyonnais se rencontrent à l'initiative de la marque, échangent, communiquent, remontent des choses, etc. Ça fonctionne. Et je pense qu'il faut ramener effectivement de l'humain et du physique dans l'histoire. Alors, si une marque travaille mal, si elle est mal née, elle meurt, si elle travaille mal, elle s'épuise, et puis il y a quand même des éléments de changement endogènes ou exogènes qui viennent contrarier la vie des marques. Alors changement endogène, exemple, un changement d'exécutif, on a vu par exemple une marque qui fonctionnait vraiment très bien, qui était très très intéressante, qui a été décapitée par un nouvel exécutif. Je parle de la marque Auvergne Nouveau Monde,
voilà, qui, parce qu'elle avait été faite par un bord politique différent ou je ne sais quoi, donc a été tout simplement sacrifiée, ce qui est quand même d'une absurdité totale. Et puis, il peut y avoir des changements exogènes du type le climat sur les stations de ski, par exemple, ou la crise sanitaire que nous traversons, qui peuvent amener les territoires à se re-questionner. Et du coup, donc, j'arrive à la conclusion, quelque part, de la démarche. Donc, l'idée, c'est vraiment, je le disais, de faire circuler l'information ascendante, descendante, etc., d'utiliser des démultiplicateurs que sont les autres réseaux. Lionel Flasseur, à un moment, quand il pilotait la marque On Lyon, me disait, tu vois, en fait, moi, je veux que On Lyon soit le réseau des réseaux. Et effectivement, cette idée de dire que la marque doit aller travailler avec les anciens élèves, les alumni des différentes universités, avec les cercles d'entrepreneurs, avec les cercles associatifs, etc., et profite et s'infiltre en profondeur, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Donc, je vous le disais, il n'y a pas de recette miracle pour relancer une marque. Voilà, c'est un travail attentif, un investissement de tous les temps, un gros effort de compréhension. Moi, ce qui me semble intéressant, ce serait, par exemple, de reprendre tout simplement le processus qui a été fait lors de la création de la marque. Lors des créations de la marque, vous avez des ateliers, vous avez toute une démarche participative. Et puis on l'a fait, puis on fait la marque et on lance la marque. Et puis après, on oublie de continuer à faire fonctionner cette démarche participative. Moi, aujourd'hui, de dire, tiens, mais ici, à Casa, par exemple, il y a 5 ou 6 ans et aujourd'hui, certains changements, les besoins, les attentes, les aspirations des publics ont pu évoluer, changer. Ce territoire offre des atouts et des potentialités qui vont vous permettre de vous transformer, comme le disait Jean-Philippe Gold tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un territoire, c'est quelque chose qui doit vous permettre de mieux réussir votre vie, d'où d'ailleurs on reboucle avec cette idée de la valorisation collective des territoires et la valorisation personnelle. Jean-Philippe aussi faisait bien le lien entre la dimension personnelle et la dimension collective. Moi, j'aurais envie de dire, voilà, pourquoi un territoire qui a envie de redynamiser sa marque ne relancerait pas toute une démarche participative en invitant les jeunes, en invitant le monde économique, en invitant à distance la diaspora, à questionner l'avenir du territoire, à exprimer les visions qu'ils ont sur cet avenir, les envies qu'ils ont, de manière mais tout simplement à réactualiser en permanence, à régénérer en permanence cette démarche de création de valeur. Merci beaucoup Marc. Tu restes avec nous parce qu'on a encore beaucoup de questions à te poser sur le renouveau d'une marque avec ton expérience, notamment juste après l'intervention de Majda, qui elle va nous parler d'une marque que vous connaissez très bien, puisque c'est la marque Oui Casablanca. Elle vient de finir sa thèse, qu'elle présentera, qu'elle a travaillée pendant 6 ans, et qu'elle fera la soutenance, je crois, au mois de janvier, c'est ça? Donc elle va nous faire un résumé un petit peu de cette thèse, même si c'est difficile à résumer en quelques minutes, mais elle va se prêter à l'exercice. Je vais essayer. Elle va y réussir de manière formidable, j'en suis sûr. Donc, s'il vous plaît, mademoiselle Majda Khatib, excuse-moi, je n'ai pas encore tous les réflexes marocains. À vous. Alors, vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît, ce n'est pas facile comme exercice. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à exprimer ma profonde gratitude à Casa Event et particulièrement à M. Jouhri et à Mme Alaoui Yasmine, qui est d'abord une sœur de cœur avant d'être une collègue. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'être avec les gens qui m'ont beaucoup inspirée durant tout mon parcours. Maintenant, j'ai l'occasion de les voir en direct, de pouvoir communiquer avec eux, d'échanger avec eux, donc merci. D'abord, je vais commencer par me présenter, parce que ça sera plus judicieux, même si Damien ne l'a pas fait, merci Damien.
Je suis Madame Khateb Mejda, je suis enseignante-chercheure en sciences de gestion. Je me suis spécialisée en marketing territorial par le biais de la thèse. En parallèle, je suis fondatrice et manager du cabinet Winnersoft Consulting, qui est spécialisé en accompagnement et conseil des entreprises, et notamment dans l'accompagnement des entreprises dans la transformation digitale. Donc aujourd'hui, je me suis dit pourquoi ne pas partager avec vous les résultats de ma thèse, parce que je trouve que c'est très judicieux quand on est, quand on parle de oui Casablanca. Pourquoi ? Parce que j'ai fait l'étude sur la ville de Casablanca. Je suis née et j'ai grandi à Casablanca. Je l'ai quittée pour faire mes études, mais là je suis rentrée encore une fois. Donc j'ai cette sentiment d'attachement envers Casablanca, donc c'est la raison pour laquelle j'ai préféré de faire mon étude sur la ville. Donc, comme titre que j'ai donné à ma thèse, en fait, c'était l'importance de la participation citoyenne dans la consécration du marketing territorial. Et aujourd'hui, pour l'atelier, la redynamisation, la dynamisation d'un territoire, je me suis dit, pourquoi ne pas partager les résultats de ma thèse avec vous. Et puisque déjà sur les deux jours, nous n'avons pas cessé de parler de l'importance de l'habitant et du citoyen dans la démarche marketing, et finalement, je me suis dit, j'étais sur la bonne voie en faisant cette thèse. Donc c'est important, finalement c'est important. Alors, avant de commencer, il va falloir placer un peu la thématique dans son contexte historique. Donc d'abord, il faut savoir que le Maroc, après son indépendance, était caractérisé par une politique de concentration du pouvoir, c'est-à-dire que les décisions étaient prises par le haut et que, quelque part, le citoyen n'était pas pris en compte dans n'importe quelle démarche, que ce soit économique, commerciale, etc. Après, vers les années 2000, et particulièrement avec l'initiative de l'INDH, qui a donné aux citoyens la possibilité d'être placés au centre de toute réflexion stratégique. Et c'est notamment à travers la nouvelle constitution qui a été lancée en 2011 par Sa Majesté le Roi, et qui a placé, encore une fois, le citoyen ou l'habitant au centre de toute réflexion, et qui lui a donné la possibilité de prendre les décisions, notamment les décisions économiques, stratégiques même, etc. Alors, la loi organique qui a été promulguée en 2015, c'est la loi 111-14, et qui a donné naissance par la suite à la régionalisation avancée, a donné beaucoup plus cette importance aux citoyens, et essentiellement dans la démarche marketing territoriale, c'est-à-dire qu'on a commencé un peu à penser qu'il fallait prendre en considération les attentes et les besoins du citoyen et de l'habitant pour pouvoir articuler autour de lui éventuellement une démarche marketing. Alors l'intérêt de mon étude était justement de montrer l'importance de la participation citoyenne dans la démarche marketing territoriale, d'identifier quels sont les déterminants de cette participation et par la suite proposer un modèle qui pourrait faire objet, pourquoi pas, toute la modestie, pourquoi pas un modèle qui pourrait servir aux collectivités territoriales dans la mise en place de toute démarche marketing territoriale. Donc, pour ce faire, j'ai posé une question centrale et beaucoup de questions sous hypothèse. Donc, la question centrale était de montrer quelle était la place qu'occupaient les citoyens dans la démarche marketing. Est-ce qu'il y avait déjà une prise en compte de ce citoyen dans la démarche marketing ? Et après, il y a eu l'émergence de plusieurs sous-questions, à savoir, est-ce que déjà le citoyen est-il déjà conscient de son importance dans le processus ? Est-ce que les collectivités territoriales l'étaient aussi autant ? Et quels sont les déterminants qui vont que je vais faire sortir à travers l'étude et qui pourraient éventuellement constituer les facteurs clés de succès pour la démarche marketing territoriale. Alors pour ce faire, fallait donner l'opportunité aux deux cibles de pouvoir dire ce qu'elles pensaient du sujet. Donc j'ai fait une analyse hybride basée sur un paradigme de constructivisme. Donc une analyse hybride entre une étude quantitative réalisée auprès d'un échantillon de citoyens et une analyse quali auprès des collectivités territoriales à travers des entretiens semi-directifs. Donc je tiens à signaler qu'il s'agissait d'un échantillon de 1500 citoyens casablancais.
dont j'ai pris, le plus pertinent était de prendre les 1000 sur les 1500 et 35 entretiens semi-directifs, guide d'entretien. Alors pour la structure du questionnaire, il était axé sur 4 axes. Donc le premier axe, d'abord, il fallait voir un peu la perception de la ville par rapport au Casablancais. Le deuxième axe, c'est les axes motivants et les freins à la participation, la prise en compte de la participation et les, proposer des modalités ou des perspectives éventuelles pour la manière avec laquelle ces citoyens voulaient qu'ils soient pris en considération. Alors pour la perception de la ville, je vais y aller très vite. Alors pour la perception de la ville, c'est pas nouveau parce que déjà Casablanca est un territoire très complexe. C'est la plus grande métropole du pays. Les gens sont là parce qu'il y a plus d'opportunités de travail. Il y a quelque part des conditions de vie très favorables. Donc à partir des réponses que j'ai pu ressortir, donc Casablanca était une ville très diversifiée. Casablanca est une ville très dynamique économiquement, mais en aucun cas il y a une dynamique culturelle. Il n'y a pas de dynamique, c'est pas une ville conviviale, etc. Et à partir de là, j'ai constaté qu'il n'y avait pas vraiment, à travers beaucoup d'autres questions, j'ai constaté qu'il n'y avait pas vraiment ce sentiment d'attachement des Casablancais pour la ville de Casablanca. Donc, a priori, 80% des répondants disaient que nous ne sommes pas Casablancais, nous sommes par exemple Fessi, Rabat, Amazir, etc. Et nous sommes installés à Casa juste parce qu'ici, il y a beaucoup d'opportunités de travail, on peut mieux vivre, éduquer nos enfants, bénéficier des conditions sociales et économiques favorables du pays. Après, je vous ai un peu résumé l'étude à travers les résultats qui m'ont paru les plus pertinents, des résultats qui ne vont peut-être pas plaire à Madame Alaoui. Je suis sûre qu'il va rebondir sur ça. Mais en tout cas, c'est autour d'une discussion constructive, une critique constructive. C'est pour la bonne cause. Alors, le premier résultat à travers le tri unilatéral que j'ai fait, c'est que 86% des interrogés ne connaissaient pas que la ville était dotée d'une marque. Donc, on ne savait pas que... Je tiens à signaler que l'étude a été faite en 2019, donc c'est avant la crise, la pandémie du Covid-19. Et du coup, je pense qu'il va falloir la refaire pour qu'on puisse un peu... en retirer les éventuelles connaissances. Je pense que Madame Alaoui l'a déjà faite, n'est-ce pas ? Très bien. J'étais sûre que tu allais rebondir sur ça. Alors, le deuxième constat, c'est que 93% des interrogés ignoraient l'existence d'un médiateur. Alors, c'est-à-dire quoi un médiateur ? C'est-à-dire la possibilité d'élire quelqu'un auprès des citoyens à travers les sociétés, les sociétés civiles, justement. C'est à travers. Et pouvoir être là lors des éventuelles discussions des collectivités territoriales pour prendre n'importe quelle décision. Donc, les citoyens ne savaient pas, justement, qu'il y avait la possibilité d'élire un médiateur. Le troisième résultat, c'est la confiance des résidents dans les élus est de l'ordre de 12%. Alors, je pense que ça, ce n'est pas un chiffre qui m'a choquée, d'autant plus que nous avons un antécédent très, très accru par rapport à la confiance aux élus. Notamment, ils sont là, ils nous donnent des promesses, mais après, quand le mandat finit, on parle d'autre chose. Et... ça, c'est de l'ordre historique un peu, si vous voulez. Donc, ça date de l'histoire ancienne. Donc, cet ancrage de la confiance envers les élus a perduré dans le temps. Je trouve que c'est dommage parce que pour la nouvelle jeunesse, ça serait une piste très valorante qui peut vraiment changer la donne. Alors, pour le quatrième résultat, 90% des interrogés estiment ne pas être impliqués dans la politique marketing. Ça aussi, ça ne m'a pas choquée parce que... puisqu'ils ne savent pas l'existence d'un médiateur, donc forcément, ils ne sont pas impliqués dans le processus décisionnel. Et le cinquième résultat, c'est 90% ignorent l'existence d'associations de quartier. Pourquoi les associations de quartier ? Parce que c'est important de faire valoir ses droits, d'en discuter, de faire remonter l'information du cadre local, pourquoi pas vers le cadre régional ou national.
Alors, j'ai fait une analyse de corrélation pour qu'on puisse en tirer les facteurs déterminants. Et j'ai ressorti deux facteurs déterminants à travers le test de Pearson que j'ai pu analyser. Et nous avons ressorti la confiance et l'attachement comme deux facteurs déterminants pour qu'on puisse éventuellement parler de participation citoyenne. Alors, pour l'analyse qualitative, je répète encore, ça a été fait auprès de 35 élus et responsables territoriaux, à savoir de la fonction publique. Et je pense que c'est l'erreur que j'ai faite parce que je me suis retrouvée avec deux mindsets différents. Parce que lorsqu'on est devant les élus, le discours, il change un peu. Et lorsque nous sommes devant un fonctionnaire, le discours est un tout autre. Donc, il fallait un peu que je distingue entre les deux. N'est-ce pas, monsieur Azoui? On peut rebondir sur ça? D'accord, après, on peut rebondir sur ça. Vous êtes les deux, oui, effectivement, oui. Alors, pour le guide du questionnaire, il était aussi axé sur trois piliers principaux. C'est la connaissance et la compréhension du marketing territorial, adhésion et appréciation de la participation citoyenne et perception et évaluation de l'action marketing de la ville. Alors, encore une fois, j'ai recensé que les résultats les plus pertinents. Alors, à partir du nuage de mots, on va ressortir l'approche collaborative comme mot qui est le plus grand et qui se répète le plus souvent. Donc, on voit que les élus et les responsables territoriaux en général sont très susceptibles à la notion d'approche collaborative, c'est-à-dire ils s'inscrivent tous, ils disent que non, on intègre le citoyen, il fait partie de notre démarche, on ne fait rien sans sa concertation. Alors, l'appréciation du concept marketing territorial, comme vous voyez sur le graphique, vous avez des points qui sont un peu dispersés. Alors, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le concept, il est là. On connaît le marketing territorial, mais on ne sait pas le définir. Alors, dans l'imaginaire, un peu, si vous voulez, des responsables et des élus, le marketing territorial est associé au marketing de produits. C'est pour eux, ça veut dire la même chose. Donc, il n'y a pas forcément une connaissance approfondie par rapport à la thématique. Et le deuxième axe, l'importance et l'implication du citoyen. Vous voyez que par rapport au premier diagramme, nous avons celui-là. Les pointillés sont attachés. Ça veut dire que pratiquement tous les élus et les responsables ont dit qu'il est important de les impliquer. C'est très important de les impliquer et nous les impliquons. Chose que les citoyens n'ont pas dit. Alors, pour aboutir à... Parce que toute réflexion, c'est bien de dire les choses, de faire avancer des chiffres, mais par la suite, il va falloir proposer des recommandations sur lesquelles on pourra se baser pour remédier à cette situation. Moi, l'intervention de M. Gold ce matin m'a beaucoup touchée, dans le sens où je me suis dit que toutes ces actions que j'ai proposées ne serviraient absolument à rien si le travail ne se fait pas au fond. Sur le fond. Alors, déjà, le Marocain ou le citoyen casablancais, je me permets de dire ça parce que je suis citoyenne, je suis casablancaise, nous avons beaucoup de cicatrices vu les événements passés et vu les conditions dans lesquelles nos parents et nos grands-parents vivaient. Donc, nous avons dans nos têtes un peu, on fonctionne toujours avec des mécanismes qui disent que les élus ou le responsable territorial n'est là que pour travailler ses propres intérêts. Et du coup, nous, on n'est pas pris en considération. Et M. Gold, le matin, il a proposé une forme de coaching collectif du territoire. C'est-à-dire qu'on va essayer de travailler sur le fond, faire une thérapie lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Il va falloir dire stop, il y a quelque chose qui ne va pas. Travaillons ensemble pour remédier à cette situation. Néanmoins, sur le moyen terme, on peut proposer quelques solutions. Alors, à mon avis, la première solution, c'est de s'orienter vers les vertus du digital. Parce que maintenant, nous sommes une jeunesse connectée. Pourquoi ne pas proposer, mettre en place une plateforme interactive qui va nous permettre de restituer la communication, institutionnaliser la communication entre citoyens et collectivités territoriales. Pourquoi pas ne pas mettre en place un rendez-vous annuel qu'on appellera par exemple Forum Citoyen, qui sera dédié, sous une forme ou une autre, sera dédié aux citoyens pour l'écouter, interagir avec lui, prendre en compte ses aspirations, etc. Et je pense que la meilleure chose à faire, en fait, c'est de pouvoir, au début, former les élus et les responsables territoriaux en matière de marketing territorial pour qu'ils puissent un peu formaliser, institutionnaliser les mécanismes
pour mettre en place la démarche. Et enfin, c'est regrouper les citoyens en associations pour qu'ils puissent mieux faire valoir leurs droits et parler, discuter avec les associations qui vont remonter l'information aux collectivités territoriales. Voilà. J'espère que je n'ai pas été longue. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Radija. On me dit qu'on dépasse un petit peu le temps, mais on va prendre quand même un petit peu le temps de débattre de cette marque, parce que la marque Oui Casablanca, on est en plein cœur du sujet, de savoir la perception du sujet, du succès d'une marque qu'on a déployée, Oui Casablanca, qui a été déployée d'ailleurs avec l'aide de marque il y a quelques années de ça, et de savoir après, est-ce que efficacement elle a réussi son implantation. Et on voit, d'après les études qu'on vient d'entendre, que les chiffres ne sont pas les mêmes suivant qu'on interviewe les élus ou les citoyens. Donc, on peut avoir une perception différente. 86%, j'ai noté, ignorent l'existence de la marque d'après les citoyens. Yasmine ? Oui, je vais rebondir, oui. Si tu as d'autres questions comme ça... Moi, je n'ai pas d'autres questions. Après, la marque Oui Casablanca vous appartient. Et cette analyse-là, elle est bien à faire, d'après à l'aune de ce qu'on a appris ce matin avec Jean-Philippe Gold, une marque qui a été créée ici, qui a vécu. Maintenant, comment elle a implanté et comment elle se révèle, comment elle prend justement, elle devient pérenne ou pas, justement. C'est là maintenant qu'il faut se poser les bonnes questions. Tout à fait. Merci beaucoup, Damien. Alors, moi, déjà, je félicite Majda pour sa présentation. C'est justement une opportunité pour échanger sur ce qu'on a fait déjà, ce qu'a fait l'agence de marque. Ils ont fait un énorme travail pour lancer la marque Oui Casablanca et après on a repris un petit peu les rails avec l'équipe Casablanca Events et Animation pour pouvoir voir où on en est aujourd'hui. Alors, je vais reprendre ma casquette de chercheuse, si vous permettez, et je vais parler sous le contrôle de mes professeurs, parce qu'il y a mes étudiants ici présents, pour l'Africa Place Marketing Competition. Alors, déjà, la marque n'est pas une finalité en soi. Ce n'est pas un objectif, on l'avait dit la dernière fois. Moi, je reprends toujours cette explication que j'avais eue dans le cadre du cours avec Lionel Flasser. La marque n'est qu'un prétexte. C'est un prétexte, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas un objectif. Et justement, la marque Oui Casablanca se base sur une démarche très solide. Et l'étude identitaire qui a été faite, je te donnerai la parole après pour en parler, est très consistante. Et justement, c'est cette identité qui va nous permettre de faire sortir ce que je dis moi, ce qui va marquer mon territoire pour qu'il soit remarqué vis-à-vis de ma cible, touristes, habitants et investisseurs, et démarqué. Donc marqué, remarqué et démarqué. Alors maintenant, on a lancé une marque territoriale à Casablanca il y a quand même 5 ans. La marque Casa a fêté ses 5 ans le 24 octobre. On l'a dynamisée, on a fait beaucoup d'activités, beaucoup d'actions. On a mis en place beaucoup d'actions pour pouvoir dynamiser la marque Casablanca. Aujourd'hui, on se remet en question Africa Place Marketing Forum pour se dire comment la redynamiser et comment justement rebondir sur les chiffres présentés par Mejda. Alors justement, j'ai vu tout à l'heure Christophe faire un pouce pour Mejda. Tu nous as décrit un peu le fait que tu étais dans un protocole, dans une posture épistémologique socio-constructiviste orientée à action. Et nous, on parle de la réflexivité depuis hier. On a des réflexions, mais qui sont orientées à action. Mejda avait partagé avec nous ce qu'elle avait fait en termes de la marque Oui Casablanca. Et depuis le temps, il y a quelques mois, on a lancé une étude avec l'équipe de Casablanca Events et Animation. Donc, je félicite déjà la contribution de Khadija Wahimi, qui a justement travaillé sur cet événement et travaillé sur cette étude. Je vais vous demander, s'il vous plaît, je saisis l'occasion pour applaudir Madame Wahimi Khadija. Alors, justement, je vais rebondir sur les éléments présentés par Mejda. Le Covid-19 était très difficile pour nous tous, mais je dirais entre parenthèses, assez positif pour la marque Oui Casablanca. Était positif pour une marque ? Pour une marque territoriale, tout à fait, parce qu'on a switché vers les réseaux sociaux. Et les résultats de l'étude, justement, on a analysé notre étude ce matin même, avec l'aide de nos étudiants de l'UNCG Casablanca, qui contribuent aussi. Et alors, pour la question, connaissez-vous la marque Oui Casablanca
Je suis désolée, Majda, mais les chiffres sont totalement différents. La cible, alors, sur un échantillon de 4273 personnes. Alors, on a des cadres, on a des entreprises, mais on a aussi des étudiants, surtout des jeunes, administrés en ligne. 72% ont répondu oui. On connaît la marque UI Casablanca. Alors, pour la deuxième question, quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à la marque? C'est très intéressant parce que les études de Madame Khatib, c'était en 2019, donc avant Covid, 2018-2019. Et nous, on a trouvé que c'était intéressant de savoir si toutes les stratégies et les actions qu'on a mis en place dans le cadre du digital ont permis justement de faire connaître cette marque UI Casablanca. Et oui, quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à la marque? 39,5% ont répondu depuis 1 à 2 ans. Donc tu veux dire que pendant le confinement, les actions digitales que vous avez mises en place ont été plus vues ou ont aidé à mettre en valeur, en lumière la marque pendant le confinement parce que les gens étaient justement sur leurs écrans, c'est ça? Alors, c'est une probabilité, je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, parce que je dois faire une étude pour le confirmer, je suis scientifique, je garde ma casquette, mais c'est une probabilité, oui. Après, on va voir avec les experts et peut-être ceux qui ont déjà lancé des marques pour voir si éventuellement la marque ne commence à prendre qu'après 3 ans ou 2 ans, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça a été lancé en 2016. Je prendrai encore quelques minutes, s'il vous plaît. Sentez-vous que vous êtes impliqué dans la dynamisation de la marque et dans la vie de la marque? Est-ce que vous sentez que vous êtes impliqué? Alors là, je rejoins Majda. Effectivement, il n'y a que 20% qui ont répondu oui. Ceci dit que 80% sentent qu'ils ne sont pas impliqués justement dans cette dynamisation de la marque et dans la mise en place des actions pour dynamiser la marque. Donc, on est d'accord sur ça. Par contre, il y a une question qui m'a rassurée, qu'on a rajoutée à la dernière minute. Sentez-vous que c'est fait pour vous? Et ça, c'est intéressant. Ce n'est pas fait avec vous, mais c'est fait pour vous. Et on l'avait dit, il y a une citation que je répète toujours, les gens qui m'écoutent parler du marketing territorial savent que je répète ça, il y a M. Azoui qui l'a aussi rappelé hier. Le Marocain adhère fortement à la citation africaine qui dit « Ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi ». Alors là, sentez-vous que c'est fait pour vous? 53% ont répondu « Oui ». On sent que c'est fait pour nous. Et ça, c'est intéressant. Alors, je vais terminer. Comment pourrait-on faire pour vous impliquer? Parce que c'est ça le plus intéressant. On n'est pas impliqué, on ne sait pas comment on pourrait... nous, à notre manière, on vous implique, mais je pense qu'il faudrait trouver ce milieu pour échanger sur la manière avec laquelle on pourrait impliquer ce citoyen pour redynamiser une marque territoriale, parce qu'on est d'accord que pour dynamiser ou redynamiser la marque, il faudrait impliquer le citoyen. Maintenant, comment pourrait-on faire? Nous, on s'est basé sur les études de Madame Khatib pour justement avoir une classification. On a mis trois propositions, ils nous ont proposé un ordre. Donc, premièrement, vous pouvez nous impliquer. Alors, je vais commencer par la fin. Via la société civile, est classé en dernier lieu, et les études de Madame Khatib l'ont confirmé, les Marocains ne connaissent pas les associations de quartier. Et donc, via la société civile, non. Pour eux, ça vient en dernier lieu et ça n'a pas eu un point important. Deuxième élément, c'est via une plateforme dédiée pour avoir des propositions par rapport aux actions à mettre en place. Oui, pourquoi pas, on a la plateforme UI Casablanca, on a le site web, on a les réseaux sociaux, etc. Et puis, justement, les réseaux sociaux, en vous proposant des questions sur des actions à mettre en place et un vote, a eu la première place par rapport à ça. Je vais clôturer par un élément, si vous voulez, pour susciter un petit peu le débat et donner la parole à Marc, parce qu'il a beaucoup de remarques par rapport à ça, d'autant plus qu'il est fondateur de la marque UI Casablanca. Qu'est-ce qui vous dérange le plus dans la démarche d'animation de la marque? Un, c'est l'information. On a eu un nuage de mots, donc le premier mot qui revient, c'est l'information. Le deuxième, c'est le partage. Et le troisième, c'est la consultation avec l'implication. Voilà. Donc ça, c'est les éléments qui ont été marqués comme manquants par rapport à la marque. Tout à fait, exactement, oui. Alors, je pense que je vais te donner la parole, après je pourrai répondre à tes questions. Donc, je vais c'est toi qui as envoyé au casse-pipe, ouais. Non, je vais aller très vite.
Bon, on va sortir de cette bagarre de chiffres, entre guillemets. Bon, ne serait-ce que parce qu'il y a forcément un biais. Je pense que si à Lyon, on pose la question aux gens dans la rue, savez-vous qu'il y a une marque pour Lyon sans la montrer un lion, les gens, je pense, ne savent même pas, enfin, une marque pour la ville. Bon, or, c'est la manière dont a été faite l'étude sur le... Est-ce que vous savez qu'il y a une marque pour Casablanca? Ben, une marque pour Casablanca. Et peut-être connaissent-ils cette marque, ils l'ont sans doute déjà vue, ne serait-ce qu'elle est, elle est présente, je la voyais sur les bus ou sur... Vous voyez donc, voilà, dans les études, il faut toujours faire attention à la manière de dire les choses. Ou, vous sentez-vous suffisamment impliqué dans la politique marketing de la ville? Le marketing de la ville. Vous voyez donc, bon... Et à contrario, peut-être, je ne sais pas, mais l'étude que vous avez faite, peut-être en disant est-ce que vous connaissez la marque, si les gens l'avaient devant eux sur leur ordinateur, ils disent oui, je la connais. Mais vous voyez, c'est derrière la technique d'étude, etc., il y a un risque de biais. Bon, la deuxième des choses, c'est que voilà, il faut faire une marque, je le disais tout à l'heure, dans le temps et avec le temps. Donc, 5 ans, donc l'étude a été faite au bout de 2-3 ans d'existence de la marque. C'est extrêmement jeune, Onillon a 15 ans d'expérience, donc c'est normal, ça progresse, et c'est normal que les chiffres progressent. Le point qu'on avait bien analysé au départ, c'est effectivement le manque d'attachement, et ça c'est un problème de fond, par rapport à Casablanca, les gens qui vivent à Casablanca, on avait pour objectif de participer à réconcilier les habitants de Casablanca avec la ville, parce que effectivement c'est pas une ville qu'ils perçoivent comme attachante. Le nombre de Casablancais par exemple qui le week-end partent à Fès, à Meknès, etc., rentrent chez eux, donc ils sont comme des expatriés. Vous voyez, donc, quand ils sont à Casablanca, et je parlais hier de villes aimables, confortables, abordables et sûres, vous voyez que sur l'appréciation de la ville, on n'y est pas, quoi. Donc, il y a un travail à faire sur le produit, bien évidemment, donc, et pas simplement un travail de communication. On a en plus ce dialogue de sourds entre, on va dire, le politique et le citoyen, avec une grande défiance envers les hommes politiques, et voilà, cette volonté affirmée d'être dans des démarches participatives. Alors, sans doute sont-elles moins participatives que ne le prétend le politique, sans doute sont-elles plus participatives que ne le prétend le citoyen. Ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que ces démarches, elles ne sont sans doute pas assez visibles. Aujourd'hui, enfin, quand nous, on crée des marques il y a 10 ans, donc, ben, on faisait des ateliers, on faisait beaucoup de travail, etc., mais on ne le disait pas. Ce qu'on fait maintenant, quand on conçoit et on travaille des marques, toute la partie où on fait les études préalables, les ateliers, les rencontres, les discussions, qui peut durer un an et demi, 2 ans, on le visibilise, c'est-à-dire qu'en fait, on donne un nom à cette démarche, on la montre, on communique sur la démarche pour montrer cette dimension participative, et sans doute ici, n'est-elle pas assez montrée. Donc, voilà ce que j'avais à dire. En gros, je n'ai rien oublié, donc place aux questions. Eh bien, très bien. Après, la marque Casablanca, c'est quelque chose qui est très prenant et normal, parce que c'est la marque de votre ville. J'imagine que vous avez quelques questions à poser à un de nos intervenants. Là-bas, au fond. Hop, après, on passera à vous. Là-bas, au fond, je crois, le jeune homme, là-bas. Jeune homme, merci, ouais, effectivement. Alors, je me présente Adib Lihlou. En fait, je suis directeur adjoint de l'école HEM Business School et professeur en marketing, en stratégie publicitaire et gestion de la marque. Alors, merci pour cette initiative par rapport à ce sujet intéressant. Et je reprends un petit peu les propos de Madame Yasmine, dans le sens où une marque est un prétexte. Effectivement, c'est le cas. Dans le sens aussi que la marque Maroc, quelque part, en fait, c'est elle qui porte un petit peu toutes les villes, dans un sens. Et je pense que la marque Maroc, enfin, Culture Branding, c'est lui qui porte la Casablanca, déjà. Sauf que, dans le sens contraire, on peut trouver que la ville de Marrakech, qui est sans marque, porte le Maroc.
Vous voyez ce que je veux dire maintenant? Alors, la marque Casablanca, quelle est sa place et identité par rapport à cette contradiction entre qui porte qui? Tout en sachant que M. Marc, il a dit comme quoi, en fait, il y a des items comme la sûreté, effectivement, il y a un sortiment de ça, et Casablanca, quel que soit X, enfin, qu'elle soit un pôle économique attractif, et d'ailleurs, en fait, on demande à des étrangers quelle est la capitale du Maroc, c'est Casablanca, c'est pas Rabat. Sachant que Rabat, aujourd'hui, aussi d'un côté, se positionne ville des Lumières, à l'image de Lyon, peut-être, mais en tout cas, la communication est un peu timide. Maintenant, oui, Casablanca, fallait-il créer une marque pour vendre la ville? Ou, en fait, fallait-il juste en fait, être un hub comme Marrakech touristique qui fait parler d'elle-même? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que la force d'une ville, à travers une marque, qu'est-ce qu'on véhicule? Qu'est-ce qu'on veut? Je pense. Merci. Donc, c'est une question très intéressante par rapport aux marques ombrelle, par rapport aux marques filles. Qui porte qui fait la promotion de l'une ou de l'autre? Et qui doit avoir... quelle est la hiérarchie entre les différentes marques, entre le niveau national, entre le niveau des villes? Juste sur cette question de la marque. Alors, entre le nom du territoire et la marque. Quand on a créé la marque Alsace, on l'a appelée Alsace. Quand on a créé la marque Bretagne, on l'a appelée Bretagne. Donc, voilà, quelque part, la dénomination du territoire est en soi-même une marque. Voilà, Marrakech est une marque. Même s'il n'y a pas marqué, on fait du marketing territorial, on a fait une marque territoriale. Néanmoins, les gens ont un imaginaire de Marrakech, ont une représentation. Il y a une bonne notoriété, enfin relative, qu'on a vu hier les chiffres où, sur le plan international, c'est Marrakech était à moins de 10% quand Casa était à 80%. Mais néanmoins, enfin voilà, cette question du nom et de la marque, enfin. Me semble ne pas être fondamental dans la mesure où Marrakech est une marque, voilà, Paris est une marque. Ce qui est important dans la démarche ici, c'est le choix de Casa et le choix de la démarche, c'est de se mettre tous d'accord pour raconter déjà sur une vision de la ville, les arguments clés de cette ville, et se mettre tous d'accord pour raconter la même chose, déployer les mêmes arguments, déployer le même fonds argumentaire, qu'on soit responsable touristique, qu'on soit directeur de l'aéroport, qu'on soit université. Il y a un certain nombre de 4 ou 5 éléments qui font le positionnement de cette terre de rencontre. Enfin, hier matin, ça a été présenté. Donc, il y a quelque part des éléments de langage, entre guillemets, derrière ce positionnement. Et ce qui est important, c'est que tout le monde les partage. Après, bon, qu'il y ait marqué Casa avec un rond ou pas un rond, en bleu, en jaune, en vert, quelque part, ce qui est important, c'est Casablanca. La démarche, elle n'est pas là simplement pour se mettre d'accord sur un logo, elle est avant tout pour se mettre d'accord sur un positionnement et une manière de l'exprimer. Et encore une fois, Marrakech est une marque, même s'ils n'écrivent pas, on fait du marketing territorial, voilà, et oui, Casa, c'est voilà, une sorte de proclamation de la marque, de la ville de Casablanca ou de la région. Donc, moi, je ne fais pas de distinguo, encore une fois, l'exemple de la Bretagne ou de l'Alsace. L'Alsace, qui est la marque la plus puissante, la plus partagée en France, s'appelle tout simplement Alsace. Et on ne se pose pas de questions si c'est une marque ou pas une marque. On va prendre une autre question. Est-ce que vous avez un micro, s'il vous plaît? Merci. Je veux plutôt partager une réflexion, parce que parler de redynamiser la marque, ça veut dire tout simplement intégrer la dimension temporelle dans la gestion et le management de la marque, et l'analyse en termes de cycle de vie s'impose. Et je crois que c'est une conséquence, parce que la cause principale, c'est lorsque l'offre du territoire change, ou plutôt le positionnement du territoire change, et la marque, il doit suivre. Lorsque le Maroc a opté pour les 3M, c'est-à-dire les métiers mondiaux du Maroc, il était obligé de redynamiser, si vous voulez dire, parce que sa marque a changé. Les métiers mondiaux du Maroc, c'est le fait d'opter à l'électronique, à l'automobile, à l'aéronautique et à l'offshoring,
qui étaient des nouveaux métiers pour le Maroc dans sa politique industrielle, c'est normal que la manière par laquelle le positionnement il évolue et donc automatiquement c'est la même chose pour les villes ou pour les régions. Donc on doit d'abord réfléchir sur l'offre du territoire et si on ne sait jamais on opte à des orientations de changement de l'offre et donc du positionnement, à ce moment-là on devrait réfléchir à la redynamisation, à la dynamisation de la marque seulement au moment de la conception. Je crois qu'il est indispensable de prendre ça en considération et mettre un noyau de la marque. Et comme ça, si on a des éléments périphériques, on pourrait travailler dessus. Et j'ai pensé tout de suite à l'exemple dans Lyon, qui a été à un certain moment unifié, puis ils l'ont éclaté pour intégrer l'ensemble des opérateurs qui sont dans la ville. Par rapport à la question les citoyens de Casablanca qui ne connaissent pas, qui sont pas au courant, et puis les opérateurs qui sont dans un autre registre, ça m'a fait penser à un ouvrage que j'ai lu, ça fait 15 ans je crois, de Zaltman, Dans la tête du client. Il a fait l'étude et il a constaté une chose extraordinaire. Les mercaticiens ou les marketeurs, ils disent: on a marre de ces clients qu'on contacte, auprès de qui on fait des études, et ils nous donnent leurs besoins et leurs attentes. Et une fois qu'on produit ce qui devrait répondre à leurs besoins, ils ne l'adoptent pas, ils ne l'achètent pas. Et de l'autre côté, les consommateurs aussi sont fâchés, et les clients, ils disent qu'on a marre de ces marketeurs parce qu'ils viennent nous demander quelles sont nos attentes, nos besoins. Et une fois on leur dit, on exprime tout, et après ils produisent des choses qu'on ne leur a pas demandées. Où est le problème? Je crois au niveau du territoire, le problème est beaucoup plus profond parce que je suppose que c'est une crise de confiance entre le citoyen et l'institution. Merci. Oui, j'évoquais tout à l'heure effectivement ce problème de défiance et de regard, de dialogue de sourds. Tout à l'heure, je concluais la petite intervention en disant effectivement relancer quelque part, redynamiser la marque, c'est sans doute, ça passe par tout un travail de réinterrogation. Donc le monde change, le monde a changé, les manières de travailler, les manières d'habiter, les manières de se déplacer, tout ça est en train de changer. Il y a des prises de conscience sanitaires, climatiques, économiques, etc. qui sont là aujourd'hui. On n'aspire pas à la même vie aujourd'hui qu'il y a 5 ans. On a vécu des choses entre temps, etc. Donc quelque part faire ce gros travail comme on l'avait fait il y a 7-8 ans, mais le visibiliser donc à travers des grands forums que veulent les jeunes, voilà, je pense que ce serait une bonne manière de prouver d'abord que tout part du citoyen, avec une participation, un dialogue en tout cas entre le citoyen et le politique, en communiquant, en montrant précisément cette démarche participative. C'est une manière aussi de raccrocher du monde, à condition, encore une fois, peut-être d'expliquer le marketing territorial avec d'autres mots. Moi, j'adore cette valorisation collective, je trouve ça très, très intéressant. Marc, je vais devoir te stopper. J'ai Khadija qui est en train de faire un arrêt cardiaque là-bas parce qu'on doit arrêter depuis 10 minutes. Manifestement, ce sujet concerne tout le monde et il y a beaucoup à dire. Donc on va laisser une dernière minute, on va finir sur le docteur Alaoui qui va clôturer ce débat. Alors, rapidement, juste pour rebondir un petit peu sur les interrogations, une marque devrait être vivante, mouvante et en perpétuel devenir, on pourrait l'actualiser. C'est pas question de, je dirais pas entre guillemets positionnement, mais plus une actualisation de l'étude identitaire. Après, y a une notion que j'affectionne personnellement, c'est une notion qui a été développée par Dr Soumya Dana, qui est avec nous aujourd'hui, qui avait parlé en fait du marketing de la reliance. Comment réconcilier le citoyen avec son territoire et comment reprendre confiance dans les décideurs du territoire. Après, pour clôturer, je vais dire un mot et à bon entendeur. Il y a le temps de la démarche, il y a le temps politique. Et donc, il faut faire vraiment la nuance entre les deux. La démarche prend beaucoup de temps et le temps politique est assez court. Donc, sur ce, je vous dis merci, Damien. Écoutez, on va mettre fin. Merci à vous trois. J'aimerais qu'on les applaudisse.
Ce débat et cette question mériteraient d'être explorés plus longtemps. On verra ça peut-être à la prochaine édition de l'African Marketing Forum. En attendant, on va passer à la suite avec la compétition pour les étudiants, me semble-t-il. Merci beaucoup.